Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour le 7ème épisode de notre Let's Play sur Sins of a Solar Empire Rebellion. Alors, on s'était laissé la dernière fois avec cette planète là, la capitale de ce qui reste de nos opposants, qui est Yasuda. Alors, elle est complètement blindée avec je sais pas combien de mines et de vaisseaux, alors c'était un peu la mauvaise surprise. En plus, ils ont une flotte avec quelques capital ships, là, il y en a 4. Et moi, je suis reparti un petit peu la queue entre les jambes avec ce qui reste de ma flotte. Bon, c'est pas négligeable, mais ils sont bien entamés. Là-dedans, j'ai 2 capital ships et puis un titan. On va les laisser se ravitailler ici. Je remets le jeu en route. Alors, pour l'instant, là, ici, il y a aussi quelques vaisseaux de mes alliés. Ils ont des flottes aussi, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, parce que là, ils ont même un titan, ils ont des capital ships. Donc, s'ils commencent à attaquer par là et que moi j'arrive dans derrière, ça devrait faire le taf. Je suis aussi en train de... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé où, là, encore? Dans ma capitale, ici, j'ai quelques vaisseaux qui sont en construction. Et j'ai déjà un capital ship avec quelques croiseurs et destroyers. Alors, comment est-ce qu'on est en train de se ravitailler dans notre planète? Enfin, sur ce système-là. J'ai pas encore bien saisi, finalement, comment... Ouais, ça se refait tout seul, quoi. J'ai des vaisseaux... ça, c'est les Hachiko, ceux-ci. Voilà, les Hachiko, eux, ils sont censés réparer. Donc, ils sont en train de réparer toute la flotte. C'est pas mal, ils ont des drones. Donc, on voit là, ils sont en train de bosser. Ok, bah déjà finalement la flotte elle s'est bien ravitaillée. Elle est relativement impressionnante dans le sens où j'ai combien de chasseurs déjà? J'en ai 37. Donc j'ai une pétée de percherons qui sont ici. Et 37 vaisseaux là, 37 chasseurs qui sont prêts à sauter à la gorge de l'ennemi. Ok, alors on va attendre qu'il y ait quelques... Là, j'en ai 8 qui sont en train d'être construits. C'est en route. Bah, je crois qu'on va accélérer. Fois 8. Voilà. Ils sont quasiment au taquet au niveau de leur antimatière. Ok. Bon, ils sont en train d'amener... j'ai un poil moins vite. Ils sont en train de se rassembler là. Je pense qu'ils vont lancer un assaut, hein. Vu comme ça se passe, bon, ils sont en train d'attaquer les petits vaisseaux qui passent par là. Moi, au passage, j'en ai profité là, pour coloniser, j'avais oublié que j'avais envoyé un ordre pour ça. Alors, tac, 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 la défense. Des fois qu'il y en a qui viennent me chatouiller là maintenant. On va commencer par construire ça tout de suite. Ok, avec des chasseurs. En veux-tu, en voilà. Ok, là on est pas mal. On va leur dire quand même de prendre des ressources, hein, c'est toujours bien. Broadcaster Center. Un militaire. On se fait plaisir. On a le fric. Je vais vendre un petit peu de métal au passage. Ok, il y a toujours des vaisseaux alliés qui arrivent. Moi je dois avoir ma flotte. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils sont allés jusque là? Je vais rien demander. C'est bizarre ça. Bizarre. Je vais tous les mettre ensemble. Là, je peux construire. On va faire quelques chasseurs. Ça, c'est des bombardiers. Voilà. Ah ouais. Là, elle ressemble vraiment à quelque chose. On va leur dire d'aller par là. Bah, je pense que je vais refaire un petit raid, là. Ça devient intéressant. Surtout que là, c'est en train de s'accumuler gentiment. Si je leur dis, par exemple, d'aller attaquer comme ça. C'était comme mon ping. Notify your allies d'un point d'intérêt. Je sais pas si ça va les motiver à aller voir ce qui se passe. Bon, on va leur dire de sauter dans ce système. Ok. Alors, au niveau recherche maintenant. Là, il va falloir que j'attende de construire le dernier military lab. Ça, c'est pour intercepter. Ça, c'est pour... Cluster Warhead. Ouais, ok.
Ça va tirer des missiles en rafale. On améliore un petit peu tous les lasers. Ah, voilà, je suis un peu à sec là. On vend un peu. Au niveau civil, ouais, je suis pas mal au niveau des ressources, etc. Le wormhole, non. Ça, c'est pour après. Critical Mass. C'est pour les Broadcaster Center, ça va les améliorer. Allez, hop. De toute manière, là, j'ai toute ma propagande qui est en train d'envahir cette portion de galaxie. Ici. Ah oui, j'ai des vaisseaux, là. J'ai des vaisseaux. Parce que je croyais que je les avais construits, là. Ah, j'en ai aussi, là. Bah, à la limite, je les envoie ici, ça me fera une flotte secondaire, là. Parce que franchement, s'ils commencent à attaquer avec tout ce bordel-là, on va les terminer rapidement. Hein. Ce que je ne sais pas, c'est si je suis obligé d'aller contrôler le système neutre pour gagner. Mais j'aimerais en tout cas bien me débarrasser de cette planète-là et de tout ce qu'il y a dessus. On va accélérer. Ok. Voilà. On a un certain nombre là. Ça c'est quoi? Ah, c'est le Broadcast Center. On va aller un poil moins vite. Ok, bah, ils sont arrivés. Je suis en vitesse x4. Allez, on va aller refaire un petit tour par là. On est un peu moins vite, x2, vitesse normale, au cas où je me taille, parce que je sais pas ce qu'ils ont eu le temps de refaire, puis ça faisait quand même passablement mal. On va voir si leur flotte est toujours là. Oh, ce bordel. On va rester par là, et puis balancer tous nos chasseurs et compagnie. Ils en ont quand même un certain nombre aussi, hein. C'est impressionnant. Bon, ils larguent la purée ou quoi? Ils sont pas encore arrivés, c'est ça? Ah, c'est maintenant que ça commence. Oh, il y a juste des chasseurs. Ils arrivent. Puis ils ont pas envie de venir, les autres, là? Ah, bah on dirait qu'ils attendaient que j'arrive. Excellent. Oh oui, c'est bon, ça. Allez-y, les gars. Voilà, la bataille de Yasuda a commencé. Je vérifie un petit peu là pour l'instant. Ils vont arriver vers les mines. Vers les tourelles Gauss. Oh oui, ils viennent tous. Ah, puis là, il y a trois capital ships ici. Oh là là. Ah ouais, ils envoient la purée. Hein. Là, c'est mon titan. Oh, 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 le feu d'artifice commence. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, là, on va devoir se les faire, hein, c'est pas possible. N'empêche que mes shields du titan sont bientôt en bas. Je pourrais peut-être tout concentrer, en fait, sur leur station de défense. Oh, ils sont en train de prendre... Ah, ça, je pourrais améliorer leur capacité. Hop, hop. Lui aussi. Ah là là, le capital ship il a pris. Oh là là, comme c'est violent. Ça c'est leur autre titan qui arrive. Ah, ma flotte elle prend, mais je crois qu'il faut continuer. Oh là là, mais j'ai mes percherons qui sont à moitié morts. Et j'ai envie de me tailler, moi. Allez, on va les laisser faire un peu. Y a pas de raison. J'ai pas envie de perdre trop de chasseurs, enfin de percherons et compagnie. Non mais alors là, on leur a mis une bonne secouée. Hein.
Ah là, j'ai pas fait pour construire des vaisseaux. On va faire une petite factory. Au passage. Ah, il faut que je mette des points de logistique en plus. Ah, je peux pas en mettre plus. Ah, évidemment, j'ai construit un broadcast center. C'est pas malin. C'est pas malin. Tant pis. Ici, je peux en faire. Deux percherons en plus. Et puis des javelis. Flak Garda. Et deux Shrinken. Alors, comment ils s'en tirent les autres? Oh, je vais vite revenir là. Ils sont quand même beaucoup, hein. Ah ouais, puis il y a le Cosmos là, de la corporation Tandam qui est en train de prendre méchamment. C'est une Argonef classe Starbase. Allez-y, les gars. C'est moi qui fais le gros du boulot jusqu'à maintenant, hein. Je suis désolé, hein. Merde. Alors, ils se remettent un peu de leurs émotions. Là, j'ai pas d'autres vaisseaux. Ah, là, il y a juste le premier qui a été construit. Bon, à la limite, je pourrais envoyer ce qui, ça en plus pour terminer le boulot. Alors, on accélère. Ah, ils se sont fait buter un capital ship. Voilà, ça se refait, ça se refait. J'aimerais bien qu'il y ait des autres qui arrivent. Ils se refassent un peu les stocks d'antimatière. Là, ouais, il y a encore pas mal de vaisseaux qui sont endommagés. Ah, ils sont en train de se retirer aussi. Tout le monde est parti. Bon. Ouais, quand même, hein, c'était vraiment pas trop leur aide, hein. Là, j'ai la deuxième fournée de vaisseaux qui arrive. On va aller un petit peu moins vite. Je vais aller commander des vaisseaux en plus. On va les faire à partir de là. Ok. Et puis là, je dois avoir vraiment une flotte respectable maintenant. Avec les petits derniers. Ok. 47 chasseurs. Là, j'ai refait toute ma flotte du coup. On va prendre des bombardiers. Ok. Ah ouais, elle est nettement plus grande hein, maintenant. Là, j'ai 4 capital ships. On va améliorer le Marza avec une bombe à radiation ici. Un champ adaptatif. Ouais, on va prendre ça aussi. On va tous les mettre ensemble. Voilà. Et puis là, on va ressauter sur la planète. Oups, là, j'ai ripé. Sounds good. C'est parti. All ordnance accounted for. J'accélère. All Allez ordnance sauter, les accounted amis. for. All ordnance accounted for. All power Voilà. to jump drive. A friendly fleet has arrived. Plotting jump coordinates. Alors, en plus, là, je crois qu'ils n'ont plus leur flotte. Il y a encore des défenses, mais ça devrait pouvoir le faire. Oui, il y a leur flotte, mais il n'y a plus de capital ship. Ah, je leur vomis toutes mes troupes dessus, là. Ok, alors là, vous me faites les chasseurs, propre en ordre. Là, on voit leur flotte de chasseurs ici. Gentiment, ils sont en train de tous prendre. Les miens, ça va, il y a juste des bombardiers pour l'instant. J'accélère un poil. Ah ouais, là, ils commencent à prendre. Est-ce que les autres viennent? Oui, ils reviennent. Ouais, c'est fait relativement intelligemment, on va dire ça comme ça. Ah, ils ont réussi à se refaire leur shield au quart, à peu près. Mais qu'est-ce qu'elle va toute seule, là, la Javelis? Elle est folle! Bon, Titan, toi tu vas tirer sur cette putain de base une fois pour toutes. Et puis on va envoyer le Marza aussi, tirer directement dessus. D'accord, d'accord. Furious Defense. Bon, on va lui laisser utiliser ça en autocast.
Quand même, hein, ces bases, elles sont méchantes. Hein. Ah, j'ai des chiens. Il y a le Marza qui a pris méchamment. Bon, tant pis. Allez, on essaye de tenir un peu, même quitte à perdre un ou deux capital ship. Je fais des emplettes pendant ce temps. Voilà, les shields sont vraiment tombés. Et puis la coque est en train de prendre sévèrement. Allez, on balance tout dessus. Voilà, il y a des renforts qui sont là. Je concentre tout sur la Starbase. Oh, ça tire dans tous les sens. Ah ouais, mais quand même, hein, j'ai de nouveau un peu sous-estimé, comme d'habitude. Et pourtant, je les voyais à... Oh là là. Je pourrais... Ah, tant pis. Je sens que je vais perdre le Marza. Si je lui dis de s'éloigner un peu. Ah, j'ai perdu beaucoup de ma flotte de chasseurs, là. Hein. Surtout les bombardiers. Il y a le Marza qui est à l'agonie. Est-ce que j'arrive à lui dire de partir encore? J'ai de la peine à le sacrifier. Il faudrait que je lui dise de sortir de la flotte, en fait. Comment on faisait ça? Ah, parce que si du coup, là il est toujours attribué à la flotte, je sais plus comment le sortir de la flotte. Move, stop, attaque. Retreat. Ouais, peut-être que ça suffit comme ça, je ne sais pas. Non, il est toujours assigné dans la flotte. Ah non, il est parti, je crois. Bon, pour les autres, tout le monde a pris un peu cher. Mais je crois qu'il n'y a plus grand chose qui me fait du mal à part la tour, la Starbase et puis les tourelles Ghost. Ah, il y en a encore un peu par là, peut-être. Ah, ils sont encore en train de balancer des chasseurs, ils font chier. Mais une fois que ça sera fait... Alors, lui, il peut avoir comme amélioration Ghost Railgun. Allez. Qui va utiliser tout de suite? Bon, j'ai le Titan qui est tranquillou, là. Il a ses shields au taquet. Puis la Starbase qui prend gentiment, gentiment. J'accélère. Peut-être pas trop, trop non plus. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai juste une icône sur le Titan. Je peux lui améliorer quelque chose ou quoi? Non? Ah non. Je croyais. Bon, la Starbase, elle va crever. Ah là là! Il y a un autre capital ship qui prend. Voilà, je vais dire retreat. Ah ouais, c'est bien, on peut les faire... Ouh là là, mais est-ce qu'il va réussir? Pour l'instant, la Starbase, elle est à 10% de sa vie totale. Par contre, elle s'acharne encore sur mon capital ship, là. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper? Voilà, on y est presque, on y est presque. Allez, 800. Allez, allez, allez. Voilà. Enfin. Ah, un de bleu. Ah. Oh, ils sont plus libres. Hein. Par contre, j'ai plus de vaisseau, j'ai plus rien là. Est-ce qu'on va se ravitailler un peu? Parce que j'ai plus que des chasseurs. Ouais, j'ai quand même des Kodiak. Est-ce que entre temps, je pourrais ici prendre les vaisseaux que j'avais mis en prod ici, puis on va en faire d'autres. Voilà, un petit peu de tout. J'en profite pour améliorer mon niveau militaire. Ça c'est quoi? Un jump plotting, une fade jump drive. Ouais, non. Voilà. Ah, il me faut plus de fric. Pour des super blindages.
Voilà. Ok. Alors là, ça va toujours. Ça va toujours. On est en train de se faire gentiment le système, là. Ok. Là, j'ai encore des petits renforts qui arrivent. Eh bien, très bien. Allez, hop, on accélère un petit peu. Parce que là, il y a... Ah, oh, 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 oh. Ils arrivent avec un capital ship, là. On va essayer de se le faire. En plus, il a pas mal de niveaux. Ouh, et là, je peux les améliorer aussi. Donc, Disruptive Matrix, Furious Defense et Group Shield. Voilà, ça, j'aime bien Group Shield. Toi, tu vas améliorer le Force Field. Tout ça pour la défense. Et puis Flag Burst, allez, pour changer. Ouh, ouais. Il fait mal, hein. En tout cas, le Capital Ship, il a pris. Je pense que je vais me retirer encore une dernière fois. Et puis, là, j'ai des renforts qui sont arrivés. J'ai normalement... Ici, deux Capital Ship qui sont au taquet maintenant. Alors, le Marza... Le Marza, bah non, il est toujours pas réparé. C'est vrai que j'ai pas de Hachiko, j'ai rien ici. Bon, on va les regrouper au centre du système. Ok, les autres, ils se rapatrient. Là, j'ai plus rien. Non, là, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai juste vérifié encore au niveau recherche. Alors la logistique, est-ce que je me paye un pour un... Pff, ça va me coûter cher à force. Bon, je suis à 13.7. Ça c'est pour avoir capacité de flotte plus grande. Non, je crois que ça va. Un capital ship, on ne sait jamais. Et puis au niveau du reste de la recherche, des artefacts, bah, j'en ai même pas trouvé, j'en ai même pas recherché, je crois. Ça, il faut rechercher sur les planètes. Au niveau militaire, on pourrait améliorer ça. C'est pour le Call Battleship. Moi, j'en ai 2-3 des Call Battleship. Ça fera un super Call Battleship. Voilà. Vendre encore un peu de métal. Royaliser. Ils ont encore fait un Titan, mais je crois qu'ils en ont 2 ou 3. Mais ils ont combien de vaisseaux, là? Mon Dieu, mais c'est pas possible. Non, non, mais... Comment ils ont trouvé les ressources pour faire tout ça? Bon, là, je suis pas complètement à poil, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais... alors, tac, ça fait 55. On va faire des bombardiers en plus, et puis une branlée de chasseurs pour intercepter tous ces vaisseaux. 55, je crois que j'en ai rarement fait autant. Ok, alors on va laisser tout ce petit monde se soigner. Là, je devrais avoir encore quelques vaisseaux qui ont été faits. Voilà. On va pas se priver. Prendre son élan pour leur sauter dessus. Mais il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ouais, il y en a 4-5 Capital Ship, là. Oh là là. On va pouvoir se les faire, mais... Heureusement qu'on a nettoyé tout ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais vous plaisantez ou quoi? Ils ont construit... Ils sont en train d'essayer de construire une Starbase juste ici, là. Rien pour faire chier. Bon, normalement, avec rien que mes chasseurs, je devrais me faire ça, hein. Construit à 50%. Non, mais c'est pas vrai. Non, j'hallucine. Ça va me détruire ça tout de suite. Alors, là, il va tout seul à poil avec son petit capital ship, là. Je comprends pas le délire. J'ai acheté un petit peu de cristal. On vend du minerai. Ok. Bon, pour la défense, j'ai pas trop besoin d'investir. Là, on est en train de faire la recherche. C'est quoi ça? Alors, on peut. C'est les commandeurs Cielo qui peuvent améliorer le targeting des amis. Alors, c'est bien.
Moi, j'aime bien mettre quelques commandeurs cielo. Là, j'en ai combien? J'en ai même plus que quelques, hein. J'en ai 6. Mais ça serait bien que j'aie pas mal de javelis du coup avec. Parce que ça tire pas mal de missiles, justement. Alors, on va laisser tout ça se construire. Je vais booster un petit peu en x8. Attendez, comment ça ma flotte est attaquée? Tac tac tac, partout à gauche à droite, non ça va, là c'est tout chez nous. De toute manière ils sont regroupés là, et puis là aussi ils ont du monde hein. Oh le... les chiens. Ah non c'est leur flotte qui est là. Lui il fait quoi là? Il fait quoi tout seul? Tranquille. Le Kodiak, toi tu reviens là-bas. Mais j'ai dû en envoyer là sans faire gaffe. Bon, tant pis. Passons. Voilà. On va faire. Alors là, maintenant, la flotte, elle est à chaque fois plus forte. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, là, j'ai un Titan niveau 3. Un TDN Vanifax niveau 6. Un Bravik. Enfin, un TDN. C'est les deux des TDN niveau 3 et niveau 6. Ah non, mais TDN, non, je me gourre. C'est les du 9. Là, j'ai Cole, les deux Cole. Le du 9. Et puis le Marza, voilà. Ok, alors tout ce beau monde. Non, laisse-moi tranquille. Voilà. Mettez-vous ensemble. Ensemble. Tout le monde n'est pas encore vraiment au taquet là. Bah il vient de revenir lui, il est à moitié mort. Normalement il y a les cielos qui vont venir le réparer rapidos. Ok. On agrandit encore la flotte. Ok, tout le monde est à peu près bien. Et là je renvoie la purée. Ok, là on est en quelle vitesse? En x4 maintenant. Ah ouais, ils sont encore en train d'envoyer du Titan. Bon, alors là, je pense qu'on va pouvoir nettoyer cette histoire-là, surtout s'ils viennent pas m'embêter. Bah, je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils sont peut-être juste là. Ok. Alors là, il y a des vaisseaux qui traversent. On voit tout ce petit monde qui se casse. Ah là, il y en a qui sont en train d'arriver. Il y a les Shrinken qui sont là. Bon, il n'y a pas de grosse défense. Il n'y a plus de grosse défense maintenant. J'aimerais bien tomber sur leur. Sur leur capital ship. Je vais accélérer, voir s'il y a des gens qui viennent. Voilà, je mets tout en accéléré, je crains pas trop pour l'instant. Voilà. Attendez, j'ai juste un peu moins vite pour améliorer mon capital ship. J'avais pas le. Ouais, le force field, allez, on va améliorer. Ok, bon, il y a quelques vaisseaux, mais ils font plus rien. Bon. Ah, ah, stop. Non, ils osent pas venir, ils se cassent. Bon, je pense qu'on va pouvoir se faire ce système. Ah, mais ils sont là-bas. Faudrait que je les poursuive. On va juste terminer le boulot. Ok, là, je crois que j'ai rien pour les... pour coloniser. Donc, la planète, elle va pas faire long, hein, avec... 3 capital ship, 4 capital ship. Ah mince, j'ai pas le bombardement planétaire. C'est mon petit péché mignon, ça. Alors, allégeance à 90%. J'accélère. Bombardement intensif. Voilà, elle a la moitié de la vie. Ok, on va. De toute manière, même si j'arrive pas à la capturer tout de suite, c'est pas grave. Au moins, je vais juste la raser.
Bah, ensuite, il me restera plus qu'à aller sur les deux autres systèmes, là. Hein. Alors, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bon, leur colonie, elle est loin. Donc, on va sauter là. En plus, vous voyez qu'il y a ma propagande qui est en train de progresser sans souci. Ici, ils ont toute une flotte. C'est parfait. Nous, on saute. Tel le nuage de sauterelles. Mais je vois pas où ils sont, leurs capital ships. Ils sont tous regroupés sur la dernière planète ou quoi? Là aussi, on va faire ça en mode accéléré. Voilà, tout le monde se casse. Ah, ça fait un peu laguer, là, un peu de peine, là, le PC, du coup. Ok, j'aime bien comme ça va de groupe en groupe, ça bouffe tout. Alors, ils se font attaquer. Ah bah, on va juste revenir moins vite. Ils sont là. À moins qu'ils viennent vers moi. Je sais pas. Non, ils restent là. Voilà, tout le monde est en train de sauter. On est là. À l'attaque. Il se casse. Ah non, ils acceptent le combat. Mais là, on est en supériorité numérique, mais ils en ont 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a les alliés qui arrivent, excellent. Ok. Ok, ok, on les prend en sandwich, là. On va les poursuivre. Voilà. On va les poursuivre. Ça, ils vont fuir pendant un moment. C'est la curée. Sauter par là. Ça peut durer un petit moment, hein. Ah, j'ai pas des interdicteurs. Si on les poursuit comme ça et que je construis là... Ah, mais j'ai pas recherché, je crois, l'interdicteur. Face Jump Inhibitor. Tiens, défense. On va chercher ça à tout hasard. Parce que vous voyez, genre, je les poursuis là, tac, tac, et puis là, je les interdis de sauter et puis on les défonce. Bon, alors là, ils sont tout acculés. Ils savent plus quoi foutre. C'est leur dernière flotte. Je sais même pas s'ils peuvent l'entretenir correctement. Je commence à être blindé de thunes, là, d'ailleurs. À tout hasard. À tout hasard. On va se construire des trucs. Et ben voilà. Ça, c'est fait. On a fini par... Bah voilà, comme ça, au moins, j'ai ma réponse par rapport au fait si est-ce que je dois contrôler le système indépendant pour gagner ou si, finalement, je passe outre et puis je les écrase. Et ben voilà, ça se termine un petit peu en queue de poisson, comme ça. On va arrêter de jouer parce que là, ça devenait de moins en moins intéressant. Je pense que vous avez compris comment ça se passe. C'est un jeu qui est super nerveux à la Distant World. C'est un 4X... Enfin, 4X, 4X STR. Et puis, bah voilà, si quelqu'un est tenté par se faire une petite partie en multi, voilà... pourquoi pas, et puis moi c'est possible que c'est même très probable que je fasse une saison 2, pas tout de suite, j'ai envie de faire un autre 4X en attendant pour remplacer cette série qui sera Homeworld si ça intéresse quelqu'un. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette série et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée ou nuit et je vous dis à très bientôt, ciao.